Konnichiwa minasan, ici Karasu Cosplay. Vidéo spéciale 200 abonnés aujourd'hui, yeah! Ils sont maintenant 200 sur la chaîne. Merci beaucoup de fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Arigato gozaimashita! Maintenant je teste le micro cravate parce que j'ai eu le récepteur. Je sais pas si on entend la différence, il est dans le col ici. Je sais pas ce que ça donne, les body packs sont ici en dessous. Oui, déjà 200. C'est dur de visualiser que 200 personnes suivent. Ça peut paraître peu, cette petite communauté, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Alors que j'ai commencé au mois d'août avec 58 abonnés, au mois d'août l'année passée. Ma chaîne débute, c'est pour ça. On commence tout à quelque part, tous les grands youtubeurs ont passé par là. J'ai pas de grandes attentes pour cette chaîne-là. Je fais mon possible pour communiquer ma passion pour le manga Naruto, même si la hype du manga est pas mal partie, parce que c'est plus Demon Slayer, My Hero Academia, mais c'est plus Demon Slayer qui vient de sortir. Naruto, c'est plus une nouveauté, fait que c'est pour ça que les gens, ils vont moins vers ce manga-là. Beaucoup connaissent pas le manga, c'est aussi pour ça que j'ai parti cette chaîne, même si c'était un peu malgré moi. J'ai ouvert la chaîne avec mon compte Google, fait que j'avais pas prévu qu'il y aurait des abonnés qui se ramassaient dessus, c'est encore mieux. C'est une belle surprise. Comme vous pouvez voir, je reviens aujourd'hui mon tout nouveau cosplay de Itachi Ambo dans les forces spéciales. Il a été terminé samedi soir, grâce à l'aide précieuse de ma maman que j'aime beaucoup. J'ai les brassards ici, comme ça. Amovible, j'ai mis une fermeture ici pour pouvoir les laver si jamais je les salis. Pogné ici, comme ça, on le voit ici. Donc, c'est la petite vidéo pour 200 abonnés. Je sais pas combien de temps qu'elle va faire. Je suis pas une personne qui parle beaucoup en général. Quand je m'ouvre aux autres, je suis vraiment une pipelette, je parle énormément. La prochaine vidéo, ça va être pour les 300 abonnés parce que 50, c'est pas une grosse marge. C'est facile à atteindre quand même. Surtout si on considère YouTube de nos jours. Pour les 300 abonnés, j'ignore quand je vais les atteindre. C'est déjà un miracle que j'ai réussi à atteindre 200 parce que ça augmente pas vite au début. Faut se faire connaître. Quand les gens connaissent pas ta chaîne, ils savent pas. C'est une réputation à se faire, j'en ai pas encore beaucoup dans le milieu. Je suis pas un cosplayer très renommé encore. Je suis très peu connu même. Je me distingue des autres pour mes vidéos sorties cosplay parce que vraiment plusieurs j'ose sortir un cosplay. Ce que très peu de gens osent faire par peur du jugement. J'étais comme ça aussi il y a un temps, j'ai décidé de mettre un frein à ça parce que ça m'empêchait de vivre. J'avais tout en peur de ce qu'un tel pouvait penser. C'était dans la première année de cosplay. Au Comic-Con de Québec 2018, j'ai décidé après ça de plus jamais me laisser dicter ma conduite par les autres. Parce que peu importe ce qu'on va faire, on va toujours être jugé. C'est comme ça la nature humaine, tout le monde juge. Personne ne se mêle de ses affaires, surtout. Puis j'écoute plus les haters non plus. Parce que ça sert à rien de les écouter, c'est juste des rageux. Ils pensent toujours avoir raison. Faut passer son chemin. Ceux qui sont pas contents, ben tant pis. Voilà, c'était ma courte vidéo spéciale du Sommoné. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir, c'est important et ça fait plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications dans le coin en bas de l'écran. J'ai mis une petite fenêtre pour que tu puisses t'abonner facilement. Waterframe, je pense. Ouais, c'est ça. Le Kitashi en bas de l'écran. Sinon, tu cliques sur s'abonner. Le bouton va être à quelque part par là. Ici, s'abonner. N'oublie pas, pouce bleu, s'abonner, ça fait plaisir. Bon, je te rejoins dans la grande communauté. Naruto, parce que même si je suis sorti de Itachi, c'est pas juste de Itachi que je parle. Je parle du manga Naruto en général, c'est juste que Itachi est ma marque de commerce. J'ai décidé de m'afficher en Itachi, c'est un choix personnel. Mais je ne suis pas Itachiste ou quelque chose de même. Oui, Itachi est mon préféré, mais c'est pour ça que je m'affiche en Itachi. C'est un choix personnel, faut respecter, merci.